Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pas de unboxing, c'est simplement pour faire un petit peu de blabla pour vous dire ce que vous allez trouver en mars sur ma chaîne. Donc j'ai des petits projets de vidéos hors box, voilà, mais le plus important, ce que je sais d'avance, sauf cas de force majeure, les box que je vais recevoir en mars, je vous ai dit en février qu'il y en aura beaucoup moins qu'en... c'est déjà beaucoup moins qu'en janvier, beaucoup moins qu'en décembre surtout, mais il y a quand même des box qui vont arriver. Et donc, je vais vous donner un petit peu une actu des box que j'attends. Donc, et des colis que j'attends. Donc, déjà, vous savez que vous savez ou vous ne savez pas si vous suivez ou vous ne suivez pas toutes mes vidéos. Mais j'ai ma Little Box qui est prépayée jusqu'en novembre. Donc, j'aurai bien sûr ma Little Box jusqu'en novembre tous les mois. Et je me ferai un plaisir de vous l'unboxer en vidéo. Ensuite, il y a la Look Fantastique que j'ai également jusqu'en novembre. Donc, qui est aussi prépayée, voilà. Ce mois-ci, il y aura également... Alors, la Maladybug... Je l'ai prépayé jusqu'en août. Et en fait, la Maladybug, vous l'aurez sur la chaîne, mais vous l'aurez en avril. Parce qu'en fait, il y a toujours un petit décalage entre... Comme elle est censée être envoyée... Elle est envoyée à la fin du mois. Et comme elle fait son voyage depuis l'Irlande. Et puis que je pense qu'elle doit passer à la douane à un moment donné. Enfin bref, elle passe la frontière. Donc c'est beaucoup plus long. Donc généralement, je l'ai début avril. Par exemple, celle de janvier, je l'ai eu le 4-5 février comme ça. Et celle de février... Je l'ai eu le 4 mars, je l'ai eu aujourd'hui en fait. Au moment où je vous fais cette vidéo, je fais 3 vidéos d'affilée, mais la première vidéo, c'est celle du unboxing de Maladybug. Donc vous saurez que je l'ai eu, je l'ai généralement le mois d'après. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas renouvelé la Bonjour Jolie pour ce mois-ci. Je n'ai pas renouvelé la box de filles non plus parce que la Bonjour Jolie, elle est très chère. La box de filles, c'est bon, elle n'est pas spécialement chère, mais c'est vrai que les goodies ne... En dehors de tout ce qui est gourmandise, ne me pèse pas forcément. Mais c'est surtout que j'ai beaucoup trop de protection périodique en ce moment. Entre les bons plans que je fais, entre les box que j'ai prépayées, tout ça, ça commence à faire beaucoup. Et je suis, pas contrainte, mais vu que j'en ai beaucoup et que pour mon karma, j'en donne. Et, c'est même si c'est sympa de donner, et c'est quand même un peu bête d'acheter pour donner. Donc voilà, j'en donne beaucoup à mon entourage, enfin aux femmes de mon entourage évidemment. Et donc pour l'instant, la box de filles, même si elle me plaît, déjà ça a un coût. Même si j'ai beaucoup de box qui sont prépayées, ça a un coût. Et voilà, donc pour l'instant, je ne la prends pas. Voilà, et la Bonjour Jolie m'a beaucoup plu, mais il y a le coût, plus le délai d'attente, plus vous savez qu'il y a eu un produit qui a été détérioré dans la box par rapport au trajet. Donc c'est compliqué, donc pour l'instant, je ne la prends pas non plus. Mais ça ne veut pas dire que... Moi, j'ai envie de vous donner des avis sur des protections périodiques. J'ai envie de tester des choses avec vous. J'ai pas envie de faire que ça avec vous. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal de femmes qui me regardent en vidéo et qui sont peut-être intéressées par ce contenu-là. Voilà, sinon, en box beauté, on n'a que ma Little Box. En box périodique, on a ma Ladybug et on a Miss Go. Donc la Miss Go, je crois que ma mère n'a pas fini de la résilier pour ce mois-ci. En tout cas, la mienne, je n'ai pas encore payé ce mois-ci, ils m'ont pas encore prélevé. Mais ça ne saurait tarder, donc je sais que j'aurai au moins une Miss Go à vous présenter. Mais sinon, pour ce mois-ci, je teste une box pour offrir en cadeau à ma mère, qui est la box Emma et Chloé, donc qui est une box de bijoux. Donc je vous ferai un plaisir de vous unboxer ce bijou en vidéo, enfin cette box de bijoux en vidéo. Voilà, et puis quoi d'autre? Oui, il y a aussi la Tiny Lou Soon, que je commande pour une de mes amies, et que pour laquelle je me suis engagée au moins au mois de mai. Décidément, hein, aujourd'hui, ça sonne tout le temps. Et pour laquelle je me suis engagée depuis au moins le mois de mai, jusqu'au mois de mai. Donc, vous l'aurez également en mars, voilà. Et sinon, en termes de colis, j'ai pas des colis extravagants ce mois-ci. J'ai 2 colis de pharmacie avec des bons plans de produits de pharmacie qui sont moins chers. Donc, on a la Univers Pharmacie et on a la Parapharmazène. La Parapharmacie en ligne. Donc, j'ai 2 colis de pharmacie à vous faire découvrir. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout. Donc, My Little Box, My Ladybug, Miss Go, Look Fantastique. Voilà, Maladybug, Miss Go, Look Fantastic, oui Miss Fantastic, on peut créer des box aussi. Et puis mes deux colis de pharmacie, plus la petite box Emma et Chloé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si cette idée de vous faire une actu tous les mois sur les box à recevoir est intéressant pour vous. Et puis bien sûr, vous n'hésitez pas à me suggérer des box. J'ai des petites box en tête, mais après bien sûr, je ne peux pas toutes les payer. Et après, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, mais je suis ouverte à vos propositions. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour des vidéos unboxing ou autres. Bye !